Dernier la journée, compétition nazi, c'est pour la groupe qui t'y fait pendant le week-end, dimanche spécifiquement. Et encore la journée, c'est pour la sélection nationale, Club Mae Swimmers et Aquafins qui dominent. Dans sa reportage, nous connaissons avec elle l'événement 50 mètres nage libre et 100 mètres nage brasse. Plusieurs hits dans sa compétition et Esteban Meyer étant dans sa catégorie qui s'est fini vainqueur. Sophie Jaglev, qui nage avec les Mae Swimmers, s'y fait son événement 50 mètres à côté des autres nageurs Pliaze Kili, élite de catégorie 7 ans à 9 ans. Sa l'événement, c'est remporté par Thérèse Soukoup de couloir numéro 4, qui nage avec Clip Toto et Thérèse le premier pour catégorie l'âge 14 ans en montant. Deuxième, Tikema Elisabeth de couloir numéro 5, mais s'y finit premier de catégorie l'âge 12 ans 13 ans. Aïcha Khan, couloir numéro 3, c'est deuxième dans sa catégorie. Et Raphaël Affaire, le couloir numéro 2, c'est troisième toujours dans sa catégorie LAS. Sophie Jal est fini cinquième pour sa la course, mais son temps 35,88 secondes, c'est plus bon temps pour catégorie LAS, c'est un événement, donc il remporte médaille d'or. Dorian Bristol, qui tinaise dans deuxième hit, c'est fini deuxième pour sa catégorie. Et Chelsea Fred, c'est fini troisième. Même l'événement pour garçons, cette fois-ci encore bonne favori différentes catégories LAS, si qu'ils mettent ensemble à cause de Tchana plus bon les temps. Dans sa la course, là c'est Nazé de couloir numéro 5, Demian Payette, qui s'est fini premier, qui s'est aussi fait une remporte médaille d'or pour catégorie LAS 14 ans en montant. Nathan Nagapin sorti dans le clip Toto, s'est fini deuxième, dès les temps 30,0 secondes, mais il s'est aussi premier pour son catégorie LAS 12 ans, 13 ans. Fahan Muslim, qui s'est fini troisième et deuxième dans la catégorie 12 ans, 13 ans. Et Connor Howard, qui est une nage dans l'autre hit, s'est fini troisième en général pour la catégorie 12 ans, 13 ans. L'autre groupe athlète qui s'est fort dans sa compétition, qui nage dans le cinquième hit pour sa l'événement 50 mètres nage libre. Le départ, c'est un nage de Khalid Adam Moncheri, Dean Hoffman, Tyler Fred et Bertrand Payette. Ça c'est la course intéressante et premier pour tous à y arriver, c'est couloir numéro 4, Dean Hoffman, son temps 25,00 secondes. Nazé Clip Mae Swimmers, Adam Moncheri, couloir numéro 4, c'est deuxième, et Tyler Fred, couloir numéro 3, avec Clip Aquafins, c'est fini de troisième position. L'événement brasse aussi la bonne athlète tient un mélange différentes catégories LAS. Premier hit tient un participant fille, LAS 7 ans 9 ans et 10 ans 11 ans. La première pour finir sur la course 100 mètres brasse, c'est Nazé dans le couloir numéro 8, Liliana Mason, qui nage pour Clip Mae Swimmers et son temps est 1 minute 44,75 secondes. Sa victoire s'est fait définir, premier aussi pour catégorie LAS 10 ans, 11 ans et donc remporte médaille d'or. Dans le deuxième hit aussi, c'est dans différentes catégories LAS, là c'est bon qui est plus fort, qui est dominé. Couloir numéro 4, nous voyons finition sur la course contre Emi André Aquafins, qui fait une victoire facile et qui est aussi premier pour catégorie LAS 14 ans en montant. Un autre n'a assez fort dans la compétition nationale, Kema Elisabeth, elle est finie deuxième dans sa hit, mais son temps 1 minute 39,44 secondes, qui fait qu'elle remporte médaille d'or pour 12 ans, 13 ans. Tamara Apasami, couloir numéro 3, s'est fini 5e pour sa hit, mais sa nage à Aquafins, c'est un plus bon temps pour catégorie LAS 10 ans, 11 ans, sur le temps 1 minute 50,43 secondes. Pour garçon, c'est un 3 hit et encore, c'est un plus bon temps dans sa catégorie qui s'est fini 20e. Pour catégorie LAS 7 ans, 9 ans, c'est Eden Labrose qui termine dans première position. Sa nage à Mae Swimmers, s'est fini dans 2 minutes 07,87 secondes. Il n'est pas devant Iwan Chang Lai Seng et Liam Clotilde qui finit troisième. Troisième hit est un plus intéressant dans sa catégorie pour garçons. Grand vainqueur sur la course, c'est Daniel Ferré de couloir numéro 5. Son temps est 1 minute 15,0 secondes. La tienne de victoire pour Aquafins. Alain Pidot qui finit deuxième et est premier pour catégorie LAS 12 ans, 13 ans. Dans un temps, 1 minute 19,19 secondes. Et toujours pour sa catégorie, deuxième anti Joshua Miller avec Clip Mae Swimmers et troisième Nathan Nagapin Clip Toto. Pour catégorie LAS 10 ans, 11 ans, médaille d'or pour Yves Fouquen, Mae Swimmers, dès le temps 1 minute 42,69 secondes. Médaille LAS dans sa catégorie, celle pour Emos Fele et Wayne Mooney qui finit dans la troisième position. Nous continuons avec football première division. Match Ligue qui nous joue aujourd'hui le Stade Amitié Pralin
La Paz, une batte Côte d'Or par 5 goals le 3. Entre-temps, des matchs knockout 3e division qui peut jouer le stade populaire est prêt pour finir. Il y en a l'équipe CPEC qui peut battre Beauvallon par 2 goals le 0. Et Action Football knockout 3e division pour continuer demain 6h10 soir avec Anse Royale qui peut rencontrer l'équipe Plaisance. Et toujours demain, des matchs Ligue 1er division dans le stade Amitié pour aller à partir 4 après-midi, Revengers pour jouer contre Northern Dynamo. Ces bateaux appelés Team 8 qui gagne avec la compétition la paix la digue pour l'année 2017. Il fait première fois que Team 8 remporte sa compétition. Deuxième place, tchal pour bateau 9G. En tout, 5 à 8 tonnes de poissons. Il gagne la paix de sa compétition la digue offshore. En tout, 15 bateaux qui présent dans sa compétition la paix la digue. Sa compétition la paix qui commence vendredi passé 10h bon matin. Il a bon bateau tenant pour entrer la société la digue sur samedi avant 3h après-midi. Simon la côte la société la digue bonne formalité pèse poisson. Côte là, faut le dire, beaucoup de monde qui viennent guetter bon différents espèces poissons dans le cours de sa compétition. C'était côte l'hôtel la digue lodge qui sont dimanche bon qui t'y fait plus bien de sa compétition. Tu gagnes récompensé. À côté ban prix pour ban différentes catégories poissons. Moment plus excitant, c'était pour connaître l'équipe qui finit meilleur parmi ban meilleur de sa compétition la piste 2017. La troisième position, c'est pour bateau contender qui lui finit avec 26 points de sa équipe. Tiens, des compétiteurs. Bonne facile according to ça les temps parce que nous pas vert à cause pareil mon Dieu baba. Quand nous décidé aller, nous pas aller. Nous sommes plan de trois fois. À bien, nous faisons une dernière décision pour dire qu'un mauvais temps que nous avons aller à voyager, nous pouvons aller. Mais ici, c'est là qu'ils nous côté et nous sommes très very happy. Je pense aussi very happy. Hope next time nous pas nous ne pouvons pas encore et nous pas connaître peut-être que nous pas arriver à voyager. God knows. La deuxième place sociale pour bateau qui l'année passée, qui finit la deuxième position de sa compétition, la digue Nanji, qui en 2017, il finit avec 31 points. Friday was very rough conditions. Then the weather calmed down and Saturday was Friday night and Saturday was great, great time, good fishing. The area we went was very productive. Just very happy. We're running up again. We were running up last year, so we're trying to get the win. And we won a few division or small prizes and best female angler and plus the best trolling catch. So I'm very pleased. Vainqueur l'année passée, Island Star, team 20, c'est de la place avec Team 8 qui pour première fois remporte compétition la paix la digue. Sa l'équipe y finit avec 58 points. Nous avons fait bon pérou mort, nous réalisons le bon point faible qui nous tient auparavant. Nous prenons des snans, il y a comment l'obstacle devant nous. We all wait for what we want et nous constatons qu'il nous peut faire bien. Il veut dire que l'année prochaine, tout pour encore pour se défendre sa titre. Well, la présent, il fait nous plus fort, pour nous plus déterminer, pour nous plus plus devant, pour nous faire beaucoup plus mieux pour l'année prochaine. Et dans volleyball, l'équipe Swim Lopal indique ça samedi. Dans la finale compétition la Coupe Fédération, Zote Pévin tout pour prendre sa titre et fait que sa saison, Zote pas perdu aucune rencontre dans la compétition volleyball CCL. Swim Lopal pour jouer un premium Spikers dans la finale. Zoé Simloupal, l'année passée, l'État qui a été remporté la Coupe Fédération. En 2016, ça l'État, Swim Blue, qui a encore pu jouer dans la Ligue 2e division. Samedi, ils ont joué dans le Premium Spikers de finale pour la 2e année consécutive qui est champion de Ligue 2017 et de finale la Coupe Fédération. La finale, nous pouvons une victoire normale. Pour nous, bien sûr, pour sa finale, nous pouvons prendre un win normal. Bien facile tout. Il y a que nous parler pour Spikers. Pour ce moment, n'importe qui est en vivre. Pour nous, Spikers, c'est un point opponent assez fort qui vient jouer un volleyball assez haut niveau. Même si nous avons un peu sa faiblesse à l'année,
Nous avons gagné par tout final, nous avons gagné l'année passée, nous avons gagné dans la deuxième division. Nous avons joué fort, nous avons joué aussi, nous avons joué fort. Mais nous avons regardé hier quelque chose est venu. À la fin, c'est le plus vite possible qui nous a gagné ce match. Il y a une finale qui nous a joué, nous ne pouvons pas l'essayer. Nous ne pouvons pas l'essayer et nous avons fait plus d'efforts à cause d'un premier soir, un team qui joue volleyball par nous-mêmes et nous ne pouvons pas apprendre à faire grand chose. Pour suivre Blue Pal, je ne peux pas faire aucune préparation spéciale avant sa finale samedi. On prend une préparation par l'habitude et nous avons gagné un sens pour nous faire tuer de Valais des Sports depuis le club champion. Donc, nous avons tuer par l'habitude. L'effet pronostic, ça match pour moi. Bon. Non, on va pas faire, mais seulement, on est content devant le public ce soir. Vingé, il prend un joli match. Et je pourrai un nouveau swim Blue Pal qui, throughout the year, je pas noir. Toujours avec volleyball, côté système samedi qui nous pour connaît, c'est swim Blue Pal pour défendre notre titre de la Coupe Fédération. Qui ont été remportés, les autres ont été premium spikers. Ça, l'équipe qui fait ressortir, qui ont pu tout pour mettre un stop avec l'équipe Swim Blue qui a la force sa saison. En 2017, premium spikers ont toujours gagné à Guetté, commence à deuxième la force dans Volleyball League Cécile. En plus, qui ça l'en est, en 2017 jusqu'à présent, Spikers pas capable de battre Swim Blue Pal dans aucune compétition. Parler n'importe qui match, et nous allons prendre une bonne intensité à cause de nous connaître la force Swim Blue. Et nous aussi, pour le moment, pareil, moi, tu dis, nous pouvons bien train, mais en effet, ça qui fait plus bien, il gagne un match. Nous avons entraîné dans l'entraînement, puis ça y est, là, nous gagnons tous. On croit samedi, nous allons donner une bonne compétition Swim Blue. Nous pouvons préparer là, nous pouvons venir là pour nous gagner un titre sa saison. Et moi, nous avons besoin de nous tourner en forme là pour le moment. Et nous pouvons look forward pour samedi arriver. Spikers indique qu'ils ont une préparation dans d'après plan. Alors, ça peut travailler dit même avant sa finale. La préparation tout le temps est pareil. Okay, nous traînons des fois ici en dehors de parler des sports, nous traînons des fois en bas, l'eau nous porte la rivière anglaise. Et tout le temps pareil, nous traînons nous à l'île des aides, chaque fois que nous traînons, c'est tout le temps pareil, il n'y a pas rien spécial. Vous voulez faire pronostic sa match, sa finale pour moi? En effet, moi, pas pour faire pronostic, c'est moi, mon équipe, là, mon bien joué, mon papier joué pour perdre, mon bien joué pour moi gagner. No matter qui score, c'est mon bien joué pour moi gagner. Eh bien, le salut avec volleyball, mon arrive à la fin de vos sports pour aujourd'hui. Tiens, plaisir pas avec vous. Merci pour suivre.